Salut tout le monde, c'est JLN, on se retrouve dans la vidéo de Minecraft Rock Edition. Donc aujourd'hui on se retrouve dans la série de Redstone. Désolé, je l'ai tué toute la série, mais après que j'arrête, parce que j'ai plus trop, que je connais plus trop de trucs que j'ai à vous montrer. Mais là, avant de durer cette série, on va l'appeler, je sais plus, The Redstone, voilà comme ça. Donc j'ai fait un système pour déjà avancer et reculer. Voilà, donc là on... Donc là c'est bon, c'est fail, mais ce n'est pas très grave. Donc pour vous dire que là c'est une sortie de secours, voilà, tous les scènes là et que l'on là, voilà. Donc là la petite cuisine avec une petite table comme ça. Voilà, après j'ai fait un truc comme ça. Hop, le coffre là, table de craft. Donc voilà, après d'un coup là, c'est ici le plus important parce que vous allez me dire pourquoi il y a une série de questions alors que t'as rien, comment dire, t'as pas de place pour une, comment dire, des trucs de redstone. Si je l'ai. Hop. Désolé, je vole, hop. Je me fail un peu, voilà. Et donc voilà la pièce pour faire le reste. De toute façon, c'est pas trop lumineux, mais on mettra la lumière au fond. Donc il faut ménager parce que je l'ai fait il y a à peine 10 minutes. Donc ouais, ça marque un peu de temps à faire la construction, mais je l'ai fait. Et là-bas j'ai fait quelques... Donc la pluie devrait bien arriver parce que j'étais en pleine... C'était en pleine pluie, donc j'ai pour commencer la vidéo, j'ai pas trop à la pluie. Donc voilà, donc j'ai fait un petit escalier pour monter en haut, donc le design de haut est plutôt un peu... comment dire, nul. Mais bon, c'est pas ça qui compte. Là le pilier il va continuer à monter, continuer. Donc là on va descendre. On va commencer à aménager cette petite pièce. On va faire aussi quelques réglages sur les systèmes comme ça. Voilà, hop. Hop. C'est juste maintenant, je vais juste savoir le déco. Et celui-là d'en bas, ici, on va. Voilà, mince, ce truc pas important, il fallait pas que j'enlève. C'est pour éviter qu'on utilise beaucoup trop de trucs. Donc là, on va reprendre ça. Voilà, donc rien n'est un peu comme ça. Je suis que là, il y a ma famille qui a la Tamara derrière. Vous savez pas. Donc regardez, bon, et bon. Un coup. Bon. Ah. Bon. C'est quoi ces bugs? J'aime pas, c'est quoi ces bugs? Voilà. Donc voilà, hop. Bien sûr, il y a encore une sortie. Un tout de haut. C'est tout là. Alors, là, on est bien bloqué. Voilà, et après, on monte là. Donc, on peut faire ça par exemple.
ce qui me plaira bien. Par exemple, on prise comme ça, et là, t'as une plaque de pression. T'as une plaque de pression là. Voilà, la plaque de pression. T'as une plaque de pression qui est grande quand tu fais ça. Donc, écoutez, je vais faire le système en hors caméra et on se retrouve tout après. Gros les gens, désolé, c'est qu'il a passé du temps à faire le système parce qu'il y a eu quelques bugs. Donc là, je suis parti dehors pour monter parce que il l'a fait pour rentrer, mais la sortie, ce sera pas pareil. Ce sera pas du tout pareil. Mais à chaque fois, je me trompe. Voilà. Allez, voici le système. Il est très compact. Le système derrière, il est très, comment dire, très vaste. Et voici le système d'avancée. Hop, hop, et hop, voilà. Donc le système, si vous voulez savoir, il est très 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 grand. Tout ça. Pas très 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 très, très grand, mais essayez de cacher le plus. Regardez, vous pouvez pas sortir. Je pourrais faire un truc, ce serait beaucoup trop long avec le système. Donc pour l'instant, moi je sors par l'escalier, mais voilà, je ferai une autre sortie. Donc, ici là, je ferai le même système pour rentrer, pour sortir. Voilà, mais donc si j'ai fait cette vidéo, c'est juste pour si je fais cette vidéo, c'est juste pour ménager un peu, continuer le ménagement. Donc là, vu que une série Redstone, on va faire presque tout en Redstone. Donc là, je vais faire un immense tableau de bord. Je vais faire un autre tableau de bord qui a pris du temps à faire, mais j'ai passé mon temps à le faire. Un tableau de bord, on va mettre plein de boutons, trucs comme ça. On va mettre plein de boutons. On va mettre voilà comme ça. Voilà. Et on va juste rajouter pour faire d'autres. Voilà comme ça, tableau de bord comme ça, et je prends les panneaux et j'écris ce que ça peut faire. Donc voilà, mais je vais réfléchir sur un tableau de bord. C'est juste un tableau de bord, par exemple, pour les lumières. Ah, donc aujourd'hui on va s'attaquer aux lumières. On va juste faire ça après. Moi ça va être lumière, on va mettre là, mais on va plutôt mettre avec des items frame comme ça. Comme ça après on trouvera, comment dire, ce sera pour éteindre et allumer. Il est là, donc le bouton il est là. Là, si je mets le bouton là, ça s'active. Voilà. Voilà. Donc moi je vais prendre, et vu que c'est la question, maintenant par question. Une là, mettre un peu partout pour éclairer le truc. Bon, je suis juste une ellipse, le temps que je éparpille les trucs. Et on se retrouve juste après. Attendez, on va juste faire un truc. Par exemple, là, on va mettre un truc comme ça. Vous voyez le truc comme ça. Tout à droite. Tout à droite. Et quand je remettrai l'ellipse. Quand j'enlèverai l'ellipse, on sera ici, mais ça changera le tout. Allez, tchou. Allez, une petite ellipse
et à tout à l'heure. Et voilà. Voilà, donc la même place, voilà. C'est ce que... comment dire, c'est juste... j'ai pas vu beaucoup, c'est juste pour éviter le parti, espèce de partie chiante à faire. Le parti plus chiante, c'est le système. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai enlevé... Hop, ça c'est le truc le plus important qu'il va falloir. Donc... il va falloir faire une sorte d'inverseur parce que là, hop, mettre une torche redstone qui va s'éteindre plus tard, qui va donner le courant à ce bloc. Ce bloc qui va donner le courant ici. Voilà. Après. Faudra faire une espèce de boucle avec des répéteurs. Je sais, je pense que je sais comment faire. Donc, c'était mieux. Donc, j'essaie de le faire très compact. Ça commence déjà, hein. Farah, ça ne voit pas la fenêtre. Donc, après. Ici. Si on monte. Enfin, on va. Non, on peut mettre un répéteur. Et on va faire la boucle. Donc là, on va mettre deux répéteurs comme ça. Et je vais faire une boucle comme ça. Ouais, on va attendre que ça marche. Après, c'est bon. Après sinon j'ai un autre système à faire mais ça prend plus de place. Si ça ne marche pas, j'inscrirai et je ferai mon système que je faisais d'habitude. Mais la dernière fois que j'avais testé, ça marchait bien. C'était nié avec un bouton. Ouais, je peux voir des petits conseils sur YouTube. Mais moi j'apprends tout seul. Donc j'ai passé du temps à descendre. J'ai pas envie de faire mon truc. Sinon il faut bouton bleu, non, vert et rouge, j'ai pas envie de faire ça. Donc moi j'ai envie de me débrouiller. Donc, ça prend un peu place sur le toit, c'est vrai. Mais si je fais ça, c'est juste pour continuer. Et là après en haut on fera une autre pièce. Mais pas très 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 grande. Oui, si je testerai quelques systèmes par-dessus ça. On se débrouillera après. Puisque là c'est pour le up. C'est pour des répéteurs, c'est important de mettre des répéteurs, sinon ça marche pas. Pourquoi? Parce que le courant est pas, le courant s'il n'y passe pas. Donc là on va faire comme ça, comme ça. Voilà, on va tester si tout va marcher. C'est ça, oui. Lâche ta moulin. Non. Ah, je sais. Écoutez, j'ai rajouté une petite ellipse pour arrêter de mettre beaucoup de temps. J'ai une petite. Non. Pas une ellipse, sinon on fait trop d'ellipses. On va faire une boucle comme ça. Et comme ça. Et normalement, si je fais ça, c'est un test, hein, parce que ça, normalement, ça marche avec un autre système. Et c'est la première fois que je vais le tester comme ça. C'est juste un relier le petit colonne de tout comme ça, et la boucle, ça ne sert à peu à rien. Donc, du coup, détruire.
Attendez. Ça marche. Du deuxième coup, je suis trop fort. Je suis. Ma passion sur Minecraft, c'est la redstone. Ça marche. Ah ouais, non. Ouais, ça marche, c'est juste qu'après, il pour éteindre. Ah oui, je sais comment pour éteindre. Pour éteindre, on va résister. Ça marche, mais le problème c'est qu'on peut pas éteindre. On va essayer de se débrouiller un peu. Je vais essayer de prendre le courant. Ce petit répéteur dans le bloc là. Voilà. Hop. Et après, le seul canal, voilà. C'est pour essayer de prendre le courant et. On va tester. Quand ça marche, il s'est resté allumé. C'est pas ça le problème. C'est qu'il faut que je le rééteigne. C'est quoi? C'est éteint. Mais le problème, c'est que. Vous savez quoi, je vais faire une petite ellipse pour trouver, je vous dis, je n'abandonnerai pas un truc, je laisserai pas, j'utiliserai pas deux boutons. J'utiliserai pas deux boutons pour faire ce système. Donc voilà. J'utiliserai pas deux boutons pour faire ce système. Ce système, normalement, il devrait se faire en un bouton. Donc, on va le faire en un bouton. Il y a une toute petite ellipse, ou une grande, je sais pas, pour juste clôturer et finir le système. Je ne laisserai pas tomber. Ah, ça vous pouvez le savoir. Bon, juste finir et clôturer le système, on se retrouve juste après. Écoutez, les gens, je désespère. Ça fait des dizaines de systèmes que j'essaye de faire pour que la lumière reste allumée. J'ai eu un espoir tout à l'heure. C'est un faux espoir. Ou sinon, j'ai peut-être une idée. C'est un gros système. Peut-être une idée. Oh oui, ça va être le même, mais par contre le système on va mettre télé loin, et on va le refaire revenir comme ça. Le truc ici, on fera comme une sorte de timer. Écoutez, je vais tout faire en hors caméra pour éviter de vous embêter avec le système. Donc on se prend ça à plus. Les amis, donc aussi le système qui fait un peu laguer, c'est très long. Donc là, je fais un petit. Que quand le courant va venir, il va éteindre cette torche qui va éteindre le répéteur qui est ici, qui va allumer la torche redstone qui va relancer le courant. C'est pour une sorte de timer pour prendre un peu plus de temps. Je peux plus faire ça, voilà, mais c'est voilà. Bon, ça est un. Comment dire, être un truc de redstone à timer. Voilà. Et ils seront allumés le temps que le truc soit. C'est long quand même, parce que je suis beaucoup de temps à faire. Maintenant, j'ai mal au bras. Parce que je suis. Vous savez, je suis un peu en quelque sorte allongé sur mon lit. Et mes coudes, ils sont.
bien dans mon matelas, je fais des espèces de bosses, mon truc. Donc voilà, ça reste allumé un long moment quand même. Faut le faire pour que ça reste allumé tout le temps. Ah, ça repart. Rien que si ça s'éteint, vous allez juste rallumer. Hein. Le truc qui va éteindre dans le. On va faire comme ça. Oh non. J'ai compris qu'il pleuvait. Elle arrive. Juste que j'ai juste testé beaucoup de choses et celle-là. Ça prend quoi? Voilà. C'est très rapide quand ça s'éteint. Un coup d'œil, c'était après appuyer sur le dessus. Voilà quoi. Voilà, les gens, c'est la fin de cette vidéo. Ça, c'est vous plaira. Cette longue vidéo, parce que franchement, toutes ces ellipses, tous ces trucs-là, ça commence à me gaver. Minecraft, désolé pour un peu le nom. Parce que, force à savoir de jouer Minecraft, ça commence un peu à. Mais c'est pas grave, donc après on fera on continue, le problème étonne, c'est on continuera le tableau de bord pour agir board, on continuera le tableau de bord de voilà ça, on prendra peut-être du anneau en bas ou d'un haut, on verra, là je vais réfléchir à ce que c'est. Donc voilà, donc après on va une descente. Voilà, et après, c'est hors du système. Et bon, les gens, donc pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Donc, à plus, les gens, abonnez-vous, likez, faites tout ce que vous voulez, tchou!